Eh bien salut à tous et bienvenue, je suis LinkLagis pour vous servir et j'espère que vous allez bien, puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode de Zelda Twilight Princess. On est en plein mini-jeu, enfin mini-jeu pas tant que ça, puisqu'au final on est en train d'essayer de récupérer le dernier item qu'il nous manque, qui est ici, enfin qui est ici mais qui du coup il n'y est pas, hein, puisqu'il nous le manque. Et pour ce faire, eh bien tout simplement en fait je suis allé monter tout là-haut pour parler à un des gosses du village qui nous a dit « Eh mais je monte la garde, mais ce serait trop bien que tu m'apprennes à tirer à l'arc. » Et du coup, ben voilà, je fais le mini-jeu. Ok, je vise trop bien. Je vois, un peu trop facile, je suppose. Dans ce cas, vise celle-là. Oula, mais d'accord. Voilà. Ouais. Par ici, voilà, j'ai parlé à ce gosse-là. Pour le dernier tir, vise ce poteau. Mais évidemment, beaucoup trop facile. Trop haut. Boum ! Trop fort, tu l'as eu, et en plein dans le mille. Ouais, enfin, j'ai... Ouais. Bref. Blablabla. Allez, va, prends ça. Un petit quart de cœur, enfin fragment de cœur. Oui, je sais, ce sont des fragments. Je m'y ferai jamais. C'était très bien les quarts de cœur. Pourquoi c'est pas resté les quarts de cœur, hein, franchement. Et du coup, le fait d'avoir fait ce mini-jeu va nous permettre de débloquer et donc d'acheter. Oui, parce qu'on ne débloque rien gratuitement. Hein. Vous le voyez juste au-dessus de ma tête. Achète quelque chose. L'œil du faucon. Vous pourrez scruter les objets au loin, si vous le combinez avec l'arc du héros dans l'inventaire, même les cibles les plus lointaines ne pourront vous échapper. Tout simplement, c'est un viseur. Tout seul, ça sert de jumelle, soit en le plaçant, j'ai été dur à dire celui-là, sur l'arc, ça fait un viseur, tout simplement. Je vais vous montrer rapidement. Hop, combiné avec l'arc, voilà. Notre arc est devenu un sniper. Et sinon, je peux l'enlever en faisant ça. Voilà. Bref, on va le dissocier. Voilà. Et du coup, nous y voilà. Et pour le coup, ben, nous, on va se remettre dans l'aventure, dans l'action, tout ça, tout ça. On va s'éloigner des villageois. Et on va se téléporter. Où ça? Eh bien, tout simplement, dans l'avant-dernier donjon du jeu. Eh oui. Enfin, je parle de donjon obligatoire. Hein. Pour ce faire, maintenant qu'on a tous les morceaux, eh bien, direction la chambre du miroir. Et même pas besoin de colle. Le monde des ombres. Certains pensent que c'est l'au-delà, mais ils se trompent. En fait, le monde des ombres ressemble à ce monde, beau et paisible, mais baigné des lueurs chaudes du crépuscule. Les habitants du crépuscule étaient bons et au corps pur. Ils vivaient paisiblement, baignés de cette douce lumière. Malheureusement, tout a changé. Tout ça à cause de cette magie malfaisante. Tout est de notre faute. Nous avons trop présumé de nos pouvoirs et avons essayé de mettre fin à la magie perverse de Ganondorf. J'espère que tu arriveras à pardonner un jour notre inconscience. Ô princesse du crépuscule. Oh ! Révélation ! Vous saviez ? Et nous, on s'en doutait.
Une princesse qui a fui son peuple et ses responsabilités n'est pas la mieux placée pour décider du pardon de qui que ce soit. Ouah, Midona, ça fait bizarre de te voir tes deux yeux. Midona, Super Saiyan. Là, tu fais peur, là, par contre, Midona. Sorte de psychopathe. Dans mon monde, une légende prédit qu'un héros apparaîtra sous la forme d'une bête marquée par les déesses. Notre première rencontre avec les faces de disque. C'est pour cela que, quand je t'ai trouvé, je me suis dit que je pourrais t'utiliser à mes fins. Pardon, Link. Je ne pensais qu'à arracher mon monde à la tyrannie. Et je me fichais éperdument du sort de la lumière. Du monde de la lumière. Ah, c'est compréhensible, elle voulait à tout prix sauver son monde. Seulement, quand j'ai vu les souffrances que vous avez traversées afin de sauver ces gens, la princesse Zelda et toi, je ne peux plus rester aveugle. Je lutterai de toutes mes forces pour sauver ce monde. Si nous arrivons à vaincre Xanto, nous pourrons lever la malédiction qui pèse sur moi et rendre vie à Zelda. Allons-y, Link, pour Zelda et pour les habitants de ce monde. Non, on est vieux et on sert à rien. Bon, ben on s'en va alors. Allez. Il va être l'heure, mes amis. L'heure de rentrer dans le monde de Midona. Et nous voilà dans le monde du crépuscule. Comme nous le dit si bien le jeu. Le palais du crépuscule. Link, j'ai une dernière faveur à te demander, tu veux bien? Je voudrais t'expliquer pourquoi je me suis enfoui. Enfoui? Yemeswe enfoui de crépuscule. J'ai abandonné ces gens qui m'ont choisi pour les mener, qui ont placé tous leurs espoirs en moi. Tous ces gens souffrent, mais dans leur souffrance, ils désespèrent encore ce secours que je leur ai promis. Mais ce qui vient à leur secours, c'est le monstre que je suis devenu. Il n'est pire chose qu'un espoir brisé, tu ne crois pas? Je m'en veux te demander cela, mais est-ce que je peux rester dans ton ombre? Encore un peu. Ne m'en veux pas. Mais je t'en veux pas, c'est bien normal. Au contraire, c'est compréhensible. Ah, une face de disque! S'il te plaît, Link, non! Ce ne sont pas des ennemis. Leur apparence est retrouvée modifiée, mais ce sont les habitants de ce royaume. Ce sont mes compagnons d'infortune. Xanto, comment a-t-il pu oser? Et oui, voilà, les faces de disque qu'on croise depuis le début du jeu, eh ben, ce sont des habitants du crépuscule, tout simplement. Et comme vous le voyez, qui dit minimap telle qu'elle est apparue, dit donjon, donc on y va. On commence par ce côté-là, puisqu'on n'a pas le choix, de toute façon. On n'a pas le choix, donc c'est parti. Oh. Et qui dit donjon du crépuscule dit qu'on va beaucoup jouer avec la lumière. Je n'en dis pas plus. Vous verrez bien au fur et à mesure qu'on avancera. Ce serait dommage de spoil, n'est-ce pas? Oh, une face de Xanto. Vas-y, viens. Oh bah, ouais. Genre, tu repopes juste à côté de moi, genre normal. Oh!
c'est bon ça. On va en tuer plus des trucs comme ça. Allez. Il y a quoi? Oh, une clé. La première. Oh, attendez. Ah, on peut... Ah, yes, on peut monter là. D'accord. Donc ça, j'ai pas forcément dit, mais... les nuages noirs, la fumée noire, là, quoi, qui tombe, on peut pas la traverser. Enfin, si, on peut la traverser, mais on n'en sortira pas vraiment à l'aise. Vous verrez bien, parce que de toute façon, on va être obligé de la traverser à un moment. Notamment... maintenant. Et vous allez voir ce que ça fait. Hop là. Transformation obligatoire en loup quand on traverse ça. Faites très attention, Link. Ce brouillard noir que tu vois est fait de cristaux d'ombre créés par Xanto. Ils étouffent la lumière. C'est lui qui a volé la lumière des esprits et qui a changé ton monde en crépuscule. Mais nous avons un petit quelque chose pour remédier à ça. Je peux te rendre forme humaine quand tu veux, alors pas de panique. Alors. Tiens. Tiens. Vas-y encore. Oui, parce que même si on n'y voit rien, il faut les buter, ces trucs-là. Voilà. Un petit coffre pour bébé. Pas de FF9, hein, pour, c'est pour moi. Oui, je sais, elle était facile, celle-là. Oh là là. Allez. Un coffre pour moi. Oh, salut les mecs. J'espère que vous allez bien. Oh, petit coffre lumineux, ce qui veut dire clé. Oui, non. Pourquoi clé? Non, je pensais à la carte, mais c'est clé qui est sortie de... Bref. C'est pas bien grave. Du coup, va falloir qu'on retraverse. Pour récupérer celui-là. C'est bien, je profite de l'ouverture des coffres pour redevenir humain, comme ça j'ai pas besoin de passer par le menu. Une clé supplémentaire. Et par contre, quand on a avancé, j'ai vu... Ouais, j'ai vu ça. Voilà. Du coup, on continue tranquillement. C'est pas un donjon qui va être très très long celui-là. Hein. Je pense que on peut dire que c'est un des donjons les plus courts. Je pense. Enfin, du moins, c'est l'impression que j'en ai. Vous me direz au pire. De toute façon, ça se verra au découpage des épisodes. Oh. Oh, et on croise quelque chose que tout joueur de Zelda a déjà vu au moins une fois. Dans n'importe quel Zelda. Mais pas tout de suite. Allez, qu'est-ce que tu vas faire, Pop? Voilà, 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 voilà. Et où? Va se calmer là! Non mais! Bon, il... ah merde, il était. Ah, il est là! Il est là! Reviens ici! Unier! Allez, pépère! T'es où? Bah, il est où? Ah, il est là! Hou! Ha! Hou! Non. Là. Non. Ah, peut-être là. Oui. D'ailleurs. La la la. Non. Non. Il est où? Là-bas. Eh ben c'est bon, même pas pu finir mon combo. Mais bon, ce n'est qu'un pâle hologramme. Qui laisse quand même de la fumée, enfin de... C'était quoi de la poussière d'ombre? Je sais plus comment elle l'a appelé, Midona. Mais du coup, on va parler choses sérieuses. Cet orbe lumineux est la source de la lumière de notre monde. Nous l'appelons un astre. C'est un peu la même chose que le soleil dans ton monde, Link. Le pouvoir qu'il contient est source de toute vie dans notre monde. C'est de l'énergie à l'état brut. Mais bien sûr, avec ça... Pourrais-tu ramener cet astre aux habitants du crépuscule, près de l'endroit où nous sommes entrés dans ce monde?
Mais avec plaisir. Donne-moi ça. Et cette lumière nous permet d'éloigner le crépuscule. Et donc, comme je le disais, on trouve un monstre. Enfin, un monstre. Un truc que tout joueur de Zelda a vu au moins une fois, puisque je pense ne pas me tromper en disant que c'est dans au moins tous les Zelda, ce truc-là. Les mains. Hop là. Wouhou. Hop là. On peut passer la porte avec? Ouais, on peut. Non, parce que bon, généralement, on peut pas passer les portes avec des objets dans les mains. Mais du coup, voilà. Donc, il va falloir fuir cette main pour pouvoir sortir, tout simplement. Hein. Et surtout, ne pas la laisser récupérer l'orbe. Oui, l'orbe. Hop, hop, hop. Ah, ouais, c'est bon. J'ai pu le poser. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Et hop là. À moi. Ah, alors attendez. Faire comme ça. On va le jeter en biais, comme ça... Non, pas ça, moi. Je veux ça. On le jette en biais, comme ça au moins... Mais aïe, on est sûr de pas faire de conneries. Ouh, mais j'ai vu un coffre, là. Hop, 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 la main, là. Tu t'es cru où? Alors attendez, on va aller ramener ça. Parce que là, on est pas loin de la sortie. Et on va retourner en arrière ensuite pour le coffre. Allez. Et du coup, si vous regardez la minimap, bah sur le côté, on a quelque chose du genre ici. Hop, on pose ça pour éloigner la fumée. Enfin, pour laisser la fumée éloignée. On récupère ça, c'est quoi? Oh, un fragment de cœur. Plus que deux, et on a un PV supplémentaire. Non, mais non. Ah, quoique, si, ça peut être une bonne idée de faire ça, comme ça. Comme ça, au moins, je la fais pas rouler. Parce que là, bah, vous voyez bien que... Bah que c'est en pente, hein, tout simplement. Lâchez-moi. C'est bon. C'est passé. Et voilà. Au moins, on est sorti pépère. On n'aura pas besoin de... Enfin, on n'a plus à s'inquiéter de la main. Hop là. Bon renour parmi nous. Bon retour parmi nous. Toi aussi. Toi aussi. Rétréci au lavage. Toi aussi. Et toi non. Toi aussi. Quand même. Ah ouais, t'étais vraiment petite. Et hop là. Mais avant d'aller là-dessus... Oh. Link, normalement il y a un second astre. Si nous le trouvons, nous devrions découvrir où se cache Xanto. Avant d'aller chercher le deuxième et donc de prendre la plateforme verte qui est apparue, on retourne par là-bas. Pour tout simplement récupérer le coffre que j'ai laissé de côté. Est-ce que je vais pouvoir remonter même sans la bouboule? Oui, normalement je devrais pouvoir. Wouhou! Oui! Wouhou! Allez! On passe là-haut. Allez, normalement le coffre est juste sur la droite. Bon, je vais être obligé de passer par l'autre côté. C'est pas grave, allez go! Wouhou! Plongeons! Et là, du coup, je peux pas profiter. Alors. Hop. Hop, c'est tellement toujours aussi génial, le double grappin. Voilà, on est bien.
Ouais, c'est ça, plus. Bon, toi, par contre, je suis obligé. Mais toi, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je suis revenu pour ça, sérieux? Oh, cette arnaque. Mais ça sert à rien, en plus, quoi. Ah si, à écrire sur Miiverse. Wouhou! Youpi! Oh, je suis désolé si vous aimez bien ces trucs-là, hein. Mais clairement... comment je remonte? Comment je me casse? Comment je me barre d'ici? Peut-être par là, il y a un truc que j'ai raté ou... Wouhou! Bon, toi, parce que voilà. Ouais, là, il n'y a aucun moyen de traverser, là, en fait. Est-ce que j'aurais pas fait de la merde? C'est possible, hein. Tu veux pas, genre, me ramener au début de la zone? bon, bah... Du coup, là, je suis obligé d'avancer dans le truc, en fait. Ah non, là! Je ne l'avais pas vu. La 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 la. Je suis plutôt stylé avec cette lumière bleue, là. Oh, vous aurez pu le faire aller tout droit, quand même. Sans deck. Mais enfin. Wouhou! Allez! Je suis revenu pour un tampon Midona en colère, gre. Youpi! Si j'avais su, je serais pas revenu. Je vous jure, je serais pas revenu si j'avais su. Raté! Faut viser un petit peu plus vite les plantes. Enfin, quoi que perso, ça m'arrange. Allez, go! Du coup, eh ben on va tout simplement aller faire la deuxième partie de ce donjon, qui est bah, tout simplement l'autre côté. Titadon. Wouhou, oui, wouhou, oui, wouhou. Salut. Wouhou, oui. Salut. Wouhou. Ouais. Par contre, je parle pas le langage des gens du crépuscule. Ça aurait été sympa, mais malheureusement. Je suis héros, je vais sauver le monde, mais je suis pas là pour faire du social avec les indigènes. Allez, go. Du coup, c'est quoi ici? Bon, j'imagine qu'il va encore falloir jouer avec la lumière. Encore faudra-t-il aller la chercher, puisque j'imagine qu'elle sera tout au bout. Ah, mais... Voilà. C'est bon? Du coup... Yes. Yes, yes. Tac. Ah bah. Et j'imagine que ça va nous amener juste au-dessus de la plateforme. Voilà. Trop facile ce jeu. Wouhou! Hop, 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 hop. J'ai évité de faire trop le malin aussi. Ce serait pas mal. Oh la saleté! Imaginez! Oh le truc il s'est foutu devant quand je suis passé quoi. Pile poil au moment où je passe. Voilà. Qui fait le malin tombe dans le ravin. C'est connu. Et je me le suis bouffé. Donc on disait... Oh! On disait coffre. Enfin on disait pas coffre mais il y en a un. Je me suis dit que ça allait passer. Bon, je perds du temps en faisant le con. Mais bon, en même temps, sommes-nous à la minute? Moi, pas du tout. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Si tu te remets devant, mec. Voilà, voilà, voilà. Si tu te remets devant... Non, ça va.
Allez. Bon, le temps qu'ils reviennent. Oh, Thunes. Putain, mais reviens vers moi. T'es pas drôle là si tu vas là-bas. Ah bah voilà. Ça, c'est pour bébé. Toujours pas FF9. Je vous dirai quand ce sera lui. Allez, qu'est-ce qu'on récupère? Une clé. Ça peut être utile vu qu'on en avait pas et que là c'est fermé à clé. Alors, de toute façon, on va déjà descendre. Oh, salut vous! Des faces de disques méchants. Oui, oui, bah oui, évidemment. Je vois que dalle. Sauf qu'ils sont trois, c'est ça? Ils sont trois. T'es sérieux, y'en a un qui est bloqué derrière le mur là? Ah c'est bon, il passe à travers. Eux ils peuvent passer à travers. C'est bon? Ouais c'est bon. Ah! Unier. Encore. Encore. Moi tiens. Molé. Oh, à moi. Oh, il y en a d'autres. Bon, les... Oh oui, il y en a plein en plus. Bah, trois quoi. Enfin, au moins trois. Bon, allez, je suis passé par-dessus, mec, ce parageux. Allez, un de fait. Ouais, toi là-bas. Allez, je passe par-dessus ton tir là. Bon, allez, je passe à côté là. Ça va viser, mec. En même temps, j'ai moi-même déjà du mal à me voir. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a pas... Non, il n'y en a pas d'autres. Du coup... C'est bien joli tout ça, mais bon. Voilà. Ah, mais il y a plein de trucs, en fait. Hop là. D'ici... Ah, il y en a... Ah oui, mais il y a des coffres partout, en fait. Hop. Hop. Alors, le premier. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, ça va sûrement être des rubis, vu le petit coffre. Voilà. C'est ce que je disais. Alors... Oh, ça s'allume, ça doit être la carte. Voilà. Ça, c'est pour Bibi. Toi. Et toi, vous dégagez. Hop là. Voilà, ça c'est à moi. C'était mon cœur. Ah ouais, maintenant moi je suis full lui. Hop là, hop là. Et on ouvre celui-là, qui était donc normalement celui qui est apparu grâce au kill des mobs. Et donc, petite clé. On va faire comme ça. Je suis trop loin. Bon bah on va faire comme ça. Wouhou! Et on passe sur la dernière salle, je pense. Si c'est comme l'autre côté. Alors, dites-moi tout. Tellement stylé mon double grappin. Ouais, c'est la dernière salle. Wouhou! Alors, hologramme de Xanto, viens ici.
Non, tu n'as pas eu le temps. Ah bon bah si quand même. Ça c'est de l'arnaque. Alors qu'est-ce qu'il envoie? Gizizi. Ah d'accord, c'est des plantes. Raté. Alors il est où, pépère? Ouais, je sais que tu vas te téléporter, voilà, vas-y encore. Je sais que tu vas te téléporter. Voilà, tout a des pop, du coup là, il va pas... Oh. Ah, voilà. Tout a des pop, donc là, il se téléporte pas. Allez, go. Bah, il est où? Ah, il est là-bas. Hop. Là-bas. Saleté. Allez, go. Yeah. Oh, Jean. Oh, 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 oh. On se calme. Non, mais. Tiens, toi, t'as qu'à te téléporter sur moi aussi, je te dirai rien. J'ai perdu. Il est où? Là-bas. Non. Non plus. Hop. Oui. Non. Ulié. Voilà. Facile. Voilà. Monsieur pas content. Fait son petit caprice. Il relâche sa fumée noire. T'avais moyen de se remettre le petit PV qui manque là? Voilà. Le petit PV qui manque et on récupère. Lâche ça toi. Viens, reviens, reviens. Voilà. On récupère la bouboule. Je me retrouve encore à jouer avec des bouboules. Hein. Ça change pas, peu importe les jeux sur lesquels je passe, il y a toujours un moment où je joue avec des bouboules. Non, 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 non. Je suis protégé par la scène cinématique. Enfin, par la scène, plutôt. Ils ont pas suivi? Parfait. Oui. Et là, de toute façon, ils ne peuvent pas monter. Mon plan est démoniaque. Bié, 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 bié. Bref. Bref, bref, on reprend. Du coup, c'était quoi déjà la salle? Je me souviens même plus déjà. Ah oui, si, c'est là, il y avait tous les trucs de grappins partout. Ah, mais j'allais presque pouvoir la poser. Saleté. Voilà. Allez, montez les murs. Bon, vous, là, vous me saoulez. Hein. Merci bien. Bon, toi, tu vas pas t'y mettre non plus. Du coup... Bon, j'imagine qu'il va falloir grappiner quelque part. Il n'y a pas la main. Bon. Je sais pas où elle est. Elle est là. Ouais, alors avant de faire quoi que ce soit, vas-y. Reviens par là. Attendez, on va même tenter un truc. Viens par ici. On va tenter, hein. Là c'est de l'expérimentation. D'ailleurs, t'as deux doigts plus longs que les autres, c'est normal ou... Vous êtes comme ça dans la famille de main ou pas? Non, c'est pas passé. C'est pas passé et là j'aurai pas le temps. Vas-y. Éloigne au maximum la caméra. Oui, c'est pas ouf. Allez, viens. Go! Voilà. Allez, go, go, go! Voilà, nickel. Oh, genre! Elle contourne! Elle triche! Elle triche! Ah, mais oh putain, mais quel con! Boulet! Vous avez demandé un boulet.
Ne quittez pas. Allez, reviens ici. Allez, dézoome. Ah, je vous jure. Ah, là va descendre. Ça me fait gagner quelques petites secondes. Hop là. En fait, pourquoi je dis que je voulais tester un truc? Parce que dans la version Wii, que j'avais fait donc à l'époque, je me souviens que j'avais fait bugger la main. Et elle était restée coincée derrière le mur qui est monté en fait. Elle était restée coincée là. Du coup, moi j'étais pépère pour avancer. Allez, allez, hop, 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 hop. À moi! C'était chaud là par contre. Là, c'était limite. Allez, go! Là, c'était vraiment trop limite à mon goût même. Si vous voulez mon avis. Je voulais m'arrêter là. Oh. Non, on est en haut, nous. Ça m'amène où, ça? Oh, ça m'amène au coffre là-haut? Ah, si ça m'y amène, pardon. C'est cool. Nickel. Hop là. Oh non, oh non, la bouboule. Non, non, pars pas. S'il te plaît, pars pas. Oh, bien. Franchement, s'il te plaît, pars pas. Wouhou, raté. Bon, du coup, on va rallumer ça. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait une deuxième plateforme. Ça l'amène où? Au deuxième coffre, j'imagine. Que ça m'en a tout l'air. Elle est où, la main? Je sais pas où elle est. Ok, elle est pas loin. Au pire, c'est qu'un coffre comme ça, donc au pire, aux airs. Si vous voyez ce que je veux dire. Attends, petite. Pas tant petite boule. Vas-y, viens, voilà. Hop. La boule descend. La boule descend. C'est parfait. Hop, vas-y, que je la chope avant, que je la chope avant. Ah, saleté. Oh, j'aurais pu l'avoir. J'ai failli me rater là. Oh, ça passe. Ciao la main. On se tire. Et hop là. Et du coup, on va pouvoir allumer le deuxième piédestal en plein milieu de la zone. Et vous allez voir ce que ça va faire. Allez, go! Bon, déjà, toi, dernière phase de disque, j'espère que tu vas mieux. Par contre, il est pas très vaste, hein, le monde du crépuscule. Hein. Il y a un pauvre château en plein milieu et c'est tout. Ça aurait été bien qu'on voit un petit peu plus du monde du crépuscule, en fait. Enfin, j'aurais bien aimé, perso. Vous avez chargé l'épée de légende de lumière. Vous savez, maintenant j'ai un sabre laser. Dans le crépuscule, elle irradie une lumière dorée et peut déchirer les brumes. Incroyable, le pouvoir des astres est maintenant dans ton épée. Je vois qu'une explication. Les divinités protectrices de notre monde t'offrent leur aide. Tu es bien élu. Le héros de la légende. Avec cette épée, tu devrais pouvoir dissiper les ombres que Xanto a répandues un peu partout. Eh oui, puisque maintenant j'ai mon sabre laser. Elle est tellement classe. Je vais pouvoir aller sur la zone centrale du donjon. Mais ça, bien évidemment, vous en doutez,
Ce sera dans le prochain épisode. Cette première partie de donjon est terminée. La suivante, ce sera dans l'épisode suivant, comme je viens de le dire. J'espère que cette première partie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas à réagir dans les commentaires et me dire si vous les avez appréciés. Nous, on va se retrouver très bientôt pour la suite de ce donjon. Mais d'ici là, portez-vous bien et que la funk soit faite avec vous, les amis. Ciao, ciao.